Suivons également la chorale Bethel avec le titre de la chanson « Je parlerai de ta bonté ». Pour la soutenir, cette phase de voting consiste à attribuer des points qui seront importants pour le sacre final. Si vous choisissez la prestation de cette chorale, les critères de notation sont les suivants. Un abonnement égale 2 points, un commentaire donne 1 point, ensuite un like convient à 1 point et enfin un partage 3 points. Catégorie meilleure interprétation musicale de groupe. La chorale Bethel dans Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Hello chers abonnés de Questions de Temps TV, bonjour. Bienvenue dans la Minute des Awards de la musique chrétienne en herbe, notre première édition, qui a pour nom de baptême le premier soupir. Alors, nous continuons avec la première phase des awards de la musique chrétienne à Neb dans la chapelle Bethel, située à Ouaescalier sur la route d'Onfou, à quelques mètres de l'entrée Yaï Oliodi, Ondigi, Carrefour Ondigi, première entrée carrière. Comme à l'accoutumée, nous nous sommes rendus ce dimanche dans cette chapelle dans le but de procéder à une présélection dans cette assemblée. Cependant, nous avons assisté à des prestations et des interprétations de la chorale Bethel avec des titres de chansons tels que, je cite, « L'Éternel mon Dieu, ta main, je parlerai de ta bonté ». Je vous invite à suivre cette petite fillette aux capacités exceptionnelles. Elle a émerveillé la salle avec le titre de sa chanson « Éternel mon Dieu ». Écoutons. Passe toute chose. J'ai goûté de son amour. J'ai vu toutes ses merveilles. Les montagnes s'inclinent devant sa majesté. Hey, il n'y a rien que mon Dieu ne puisse faire. Il brise toutes les barrières. Il n'y a rien que mon Dieu ne puisse faire. J'y vais, tu passes toute chose. J'ai goûté de son amour. J'ai vu toutes ses merveilles. S'incliner devant sa majesté. Tu m'as rendu dit, m'a appelé et aimé. Tu as rempli mon cœur, tu l'as rempli de joie. Seigneur, prends mon cœur car il t'appartient. Personne ne peut être comme toi, Seigneur. J'ai goûté ton amour, j'ai vu tes merveilles, je continue à voir, Seigneur. Oh.
n'y a rien que le bon Dieu ne puisse faire pour briser toutes les barrières. Poursuivons avec l'interprétation de cette chanson de Charles Sitenga qui a pour titre « Ta main ». Regardons. Je veux voir ta main, Jésus. Je veux voir ta main. Tous les jours de ma vie, je veux voir ta main. Seigneur, moi je veux voir ta main, je t'en supplie, je veux voir ta main, je veux voir ta main, je veux voir ta main, Jésus, je veux voir ta main, tous les jours de ma vie. Oh Jésus, je veux voir ta main, Seigneur, je veux ressentir ta main. Seigneur, je veux ressentir ta main dans ce pays, au Cameroun, dans l'univers, Yahweh, je veux ressentir ta main. Seigneur, étends ta main en ce lieu. Je veux voir ta main. Je veux voir ta main, Jésus. Je veux voir ta main. Seigneur, je veux voir ta main, Jésus, je veux voir ta main. Seigneur, je veux voir ta main, je veux voir ta main tous les jours de ma vie. Seigneur, tu es digne d'adoration. Seigneur, ta main me suffit, oh Yahweh. Alors que la main de Jésus soit étendue dans nos vies, dans nos activités, dans notre pays et sur tout ce que nous pouvons entreprendre dans la vie. Par la suite, je vous exhorte à suivre avec moi cette magnifique prestation de la jeune chorale Bethel avec le titre de la chanson « Je parlerai de ta bonté ». Ici, la chorale prend le nom de Jésus ainsi que sa bonté dans nos vies, car ce que Dieu fait pour nous, nous devons proclamer la gloire de son nom. Thank you.
Terminons avec le mot de fin du pasteur Edwige Obélé, Mama Bethel, principale de cette assemblée. Écoutons attentivement. Bienvenue à la chapelle Bethel. Je vous souhaite tous d'être dans la présence du Seigneur. Je suis le pasteur Edwige Obélé, Mama Bethel, pasteur principal de cette assemblée. Et je vous appelle tous ce jour à recevoir la gloire du Seigneur par la louange. Cette assemblée est dotée d'une chorale, la grande chorale Bethel. Et cette grande chorale est dirigée, elle n'a que des enfants, c'est des enfants, c'est juste des enfants. Vous allez me demander pourquoi est-ce que j'ai choisi des enfants. Non, ce n'est pas moi qui ai choisi. Au départ, il y avait des grandes filles. Mais aujourd'hui, le Seigneur a choisi le petit qui sont des enfants parce que les enfants sont purs. Les enfants ont véritablement l'amour pour le Seigneur. Et quand un enfant se donne au Seigneur, véritablement, quand il fait la louange, ça touche le cœur de Dieu. Alors c'est pourquoi donc en ce moment la chapelle Bethel qui est devant vous, qui va prester tout à l'heure, va vous présenter juste quelques petits morceaux pour la gloire de l'Éternel. Soyez bénis. La chapelle Bethel par ailleurs est située sur la route d'Onfou, à quelques mètres de l'entrée IAI, au lieu dit Ondigui, Carrefour Ondigui, première entrée carrière. Nous vous remercions. C'est une jeune fille qui va passer tout à l'heure et elle a des qualités exceptionnelles. J'ai vu en elle quelque chose de glorieux pour le Seigneur. J'ai vu en elle quelque chose, un don que le Seigneur a déposé pour pouvoir exploiter pour la gloire de Dieu. Et elle se donne entièrement, elle crée des chansons, elle anime la chorale, elle anime les petits-enfants et même dans son établissement, parce que c'est encore une élève, et même dans son établissement, elle amène ses camarades à chanter pour la gloire de l'Éternel. Et c'est vraiment très bénissant. D'influencer les membres du jury. Je sais en qui j'ai cru et je sais que ce Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu de Bethel et il est le Dieu qui accompagne les jeunes filles de la chorale de Bethel. Donc je sais ce que c'est, ce qu'elles peuvent faire pour la gloire de Dieu en ce lieu. Je vous bénis tous et je sais que le Saint-Esprit va vous éclairer afin qu'il n'y ait pas de corruption, mais que la gloire revienne au Seigneur Jésus. C'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir suivi. Restez connectés sur Question de Temps Télévision. Bye bye!